Et en fait, les plongeurs bouteilles et les apnéistes qu'il y avait là-bas faisaient une fois par an du hockey, mais avec du matériel ancestral, des crosses qu'ils avaient fabriquées et puis des ponces en protection. Et bon, on a trouvé ça rigolo. Et puis après, au même moment, il y a eu deux-trois personnes de Rennes, dont Yannick Morin et Yannick Deneulin, là, qui sont venus faire une petite présentation du hockey avec des vrais palais et des vrais crosses. Et donc ils nous ont laissé juste deux palais et quelques crosses. Quoi. Et en fait on a commencé, donc c'était avec Eric Meunier, là on était tous les deux au départ, on était que deux. Au début on était 1 contre 1, 2 contre 2, puis quand on a eu l'initiateur, on a pu au niveau du club dire qu'on avait une section hockey. Il y a quelques personnes qui sont arrivées, tout le monde débutant, on n'avait personne expérimenté en fait. Et ça s'est créé progressivement comme ça. On a été faire les premières compétitions, le premier tournoi amical sur Rennes. Donc c'était rigolo. On arrivait avec nos gants de jardinier et nos palmes. On était plutôt bon en apnée, mais on avait tout à apprendre. On a réussi à avoir un créneau piscine sur Vinan. Puis là, on avait dans les frayeurs, on avait tous 1 ou 2 enfants, pas tous, mais une bonne partie, 1 ou 2 enfants qui étaient en âge de commencer. Ils avaient tous l'âge de la catégorie Benjamin. Donc il y avait Ulysse, Yacine était un peu plus grand, il était en mini, mais il y avait des filles Meunier, donc Périne et Clémence, il y avait Marie Jacomello. Et donc plus quelques copains à eux, de droite à gauche, qui sont venus et on a créé la section jeune comme ça. On a réussi à faire une première D4 avec l'équipe senior en 2007 ou 2008, non 2009 peut-être, dans ces années-là. Bon, c'était un peu dur. Après, on a pu faire 2 D4 et on a réussi rapidement à passer en D3, après une D4 à Limoux. Et après, donc du coup, les jeunes avaient grandi, forcément, ils arrivaient juste en junior à ce moment-là, les plus grands, il y a 5. Et donc ça nous a bien aidé à monter après dans les D3, D2 et on a réussi après 2 années, en ayant fait les barrages après la D2, à accéder à la D1 pour le B. On ne connaissait rien au hockey, on ne savait pas comment se passaient les championnats. Le France des 3, D4, D2, D1, on ne savait pas. Et les premières fois où on a vu des compétitions de D1 ou D2 en tant que spectateur, ça nous paraissait inaccessible. Quoi. On se disait qu'on y arrivera peut-être, mais peut-être dans 15 ans, 20 ans, et de toute façon, on ne jouera pas. Et en fait, la progression avec l'arrivée des jeunes, on a eu la chance d'avoir des jeunes à bon potentiel sans doute. Et donc la progression a été rapide et ça fait super. Quoi. On est passé de D4 à D1 quasiment en 4 ans. Quoi. Tous les ans, on montait d'une division. Partie également du vendredi soir, c'est après l'entraînement également, on se retrouve au local, on boit une bière ou deux, après deux on monte pas loin. Et puis ça c'est vrai que cette convivialité là, on a toujours essayé de la maintenir et dans les équipes adultes et comme dans les équipes jeunes, les équipes jeunes ils se retrouvent encore forcément au hockey, mais on voit bien qu'ils ont également des regroupements en dehors du hockey, ils se retrouvent à un gîte, ils sont tous ensemble. Donc, il y a tout un cercle d'amis qui se crée grâce au hockey.